Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Tomb Raider Anniversary Lara Croft et on va jouer et reprendre la partie. J'imagine que ça va me reprendre exactement où j'en étais. Voilà, c'est parfait. Oui, j'étais là, pas de soucis. Allez, on y va. J'espère que ça va bien pour vous, moi ça va super bien, j'ai guéri, je suis en forme, ça y est, je vais pouvoir enfin commenter de manière beaucoup plus... Hop, des petits rats, wouhou, je vais pouvoir commenter de meilleures manières et autres. Et je voudrais déjà vous indiquer que j'ai eu quelques retours déjà de mes let's play sur... Enfin, de mon let's play sur Tomb Raider, Anniversary. Plutôt bien accueilli, sans plus. Bon. Peut-être parce que bon, c'est un jeu assez ancien maintenant, donc forcément les gens... Ah, bien joué. Les gens ne s'attendaient peut-être pas forcément à ça. L'avantage c'est que je peux le sniper, mais tu vois, hop. Alors pour les quelques questions que l'on m'a posées, parce que je préfère y répondre en vidéo qu'en commentaire, comme ça, ça montre déjà bien que... Mince. Ah mince. Ça montre déjà bien que je vous lis, mais surtout ça donne la réponse à tout le monde, tu vois, au cas où... Ah c'est vrai ça, il n'a pas dit ça, tu vois. Donc je... Ah ça fait deux fois que je fais la même chose, je me suis raté, deux fois. Allez c'est parti. Alors déjà, pour ceux qui trouvent que c'est dommage en fait que je fais le remake avant le jeu, il faut savoir que c'est pas vraiment vrai. Ça c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est pas vraiment vrai. Parce que en réalité je fais... Merde. Merde. Il y avait quelque chose là-bas aussi, donc je crois que c'était une relique. C'est pas vrai, vraiment vrai dans le sens où je fais aussi le 1 à côté. Mais ça vous ne le savez pas parce que je le fais de mon côté en off, tranquillement. J'avance. C'est très très dur parce que j'ai absolument pas l'habitude. Banzai, on saute. Ça fait mal. Ah mince, tout ça pour ça. Je m'attendais à faire mieux que ça. Il y avait rien de l'autre côté apparemment. Donc là je me suis fait complètement troller. On va revenir là-haut. On reprend ce souffle. Est-ce que c'est comme Super Mario 64 où quand tu reprenais ton souffle en fait, bah tu récupérais toute ta vie. C'était marrant ça. C'était marrant. Du coup, tant qu'il y avait de l'eau pas très loin, bah ça allait quoi. On peut pas tirer pour le moment. Apparemment c'est une pièce que j'ai pas visitée. On va peut-être éviter le fusil à pompe quand même. Alors est-ce que je peux monter? Non je peux pas monter, je me serais mis à l'abri, mais ça va apparemment. Il y a plus de ces satanés rongeurs. Est-ce qu'il y a une petite régène ou pas? Je ne pense pas, parce que j'ai cru voir ma barre remonter légèrement, mais je pense pas qu'il y ait une régène. Alors on est dans un genre de... Bon, je pense qu'on peut... On peut bouger ça, j'imagine, par un moment en fait. Très bien. Ah oui, maintenant mon œil suspicieux me permet de mieux voir. Je remercie Freelancer... oui, Freelancer nous. Freelancer nous, oui. Ah, j'avais complètement oublié ton nom, enfin ton pseudo, pardon. Je te remercie pour tes petits conseils. C'est vrai que par la suite, en fait, j'ai réussi à trouver moi-même pour le E de façon pour aller plus vite, ce genre de choses. Ça, j'avais pas capté à la base. Mais je te remercie de me donner quelques conseils en plus au cas où, hein, parce que bon. Alors, parce que je suis un débutant, hein. Je suis complètement un débutant pour Tomb Raider. Alors est-ce que ça va servir à quelque chose d'aller par là? Bah oui, avec les poteaux. Avec les poteaux, ça va servir à quelque chose. Je vais d'abord aller sur le rebord là. Avant de vraiment de sauter. Hop. Et ensuite... Wouah! Non! Ah, punaise! C'est pas grave. C'est pas grave, c'est moi, j'essaie d'aller trop vite. Je l'avoue. Des environnements plutôt jolis, hein, franchement.
Moi j'aime beaucoup là, c'est sobre, mais c'est joli. C'est-à-dire que franchement, un jeu n'a pas besoin d'être plus joli, moi je trouve. Voilà, c'est. Là moi je trouve déjà le jeu magnifique. Allez, un joli saut. Alors. On va reprendre le fusil à pompe. On va s'en servir, hein, tout simplement. Je vais voir si on peut faire les mêmes actions avec le pompe qu'avec le. Avec les pistolets. Ça tombe bien, une arène! Il y a probablement du monstre à tuer. Oh! Oh non, pas un gorille, s'il vous plaît. Non. Ah, j'aime pas, là. Ah! Voilà. Apparemment, on peut le faire aussi. C'est pas un problème. Alors ça. Ça y est pas dans le. En tout cas, si ça y est, je n'y arrive pas à le faire. Mince, je me suis soigné. Ouais, mais j'utilise un petit. J'en ai beaucoup, donc je peux me permettre. Il y a des gorilles en Grèce. Ah bon? Faut savoir que j'aime pas trop tuer des gorilles parce que. Parce que. Bah parce que je sais pas. Ça fait partie des. Oh! What? On peut viser directement comme ça? Oh, ça fait partie des choses que je découvre. Ouais, je sais pas, ça fait partie des animaux que je n'aime pas tuer. Ah! Il y a mon rival là qui me parle. J'imagine que c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler le rival de Lara Croft. Regardez-moi ces environnements là. What? J'aime pas non plus tuer les chauves-souris, hein, d'ailleurs. Regardez. C'est beau. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est con, mais il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour. Alors, j'imagine qu'il faut. Il faut ça. Mince. C'est moi qui cafouille, hein. C'est pas le jeu qui est imprécis. C'est moi qui cafouille. Ah, voilà. Là, ça je l'avais vu. Ça je l'ai vu. De par moi-même. Voilà, comme ça. Je peux glisser par là. Ça ramène. Non, ça ramène pas du tout au même endroit. Hein. C'est bon, je me suis rattrapé. Il fallait appuyer sur la touche action. Apparemment, il y a un levier. Alors, attention, fais gaffe. Hein, parce qu'un gorille. Non. Je sais pas moi. Regarde, j'appuie sur. J'appuie sur saut au lieu d'action. Ah non. Ce serait cool, c'est que ça. Il sort des pumas, des lions. Mais vu la musique. Vu la musique, ce serait logique. Mais non, franchement, des gorilles en Grèce. Non, je vais pas utiliser mon fusil à pompe là-dessus. Pas déconner. Je crois que là-bas on peut utiliser aussi son crochet. On va faire le tour. Oh, cette musique aussi, écoutez. Écoutez-la bien! Ah, franchement. Le premier qui vient me dire que c'est moche ou quoi que ce soit, mais. Mais va te pendre, mec. Tu peux pas dire que c'est moche. Ça peut ne pas être tes goûts musicaux. Mais dire que c'est moche, c'est un peu fort. Je vais redescendre dans l'arène, hein, je pense, hein, tout simplement. Alors, je vais voir si je peux pas passer sur le côté parce que là, je vois quelque chose. Enfin, c'est un peu plus haut, donc je risque de me faire mal et apparemment c'est bouché. Donc... Tant pis. Allez, qu'est-ce qui va sortir? Là, c'est du gorille. Waouh! Ah, ça allonge, hein. Ah, comment faire dans ce cas-là? Oh. Ah mince! Waouh!
Je soigne. Voilà. Recharge. Ok, le pompe est quand même vachement plus puissant, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais utiliser un kit de soins max, j'ai utilisé un kit de soins de premier secours pour dire d'être sûr de pas mourir. Voilà, j'ai utilisé un vrai, donc j'imagine que là-bas, il faut aller là-bas. Ah, on a une touche pour permettre de remettre la caméra en place, très très bien. Alors une deuxième autre question aussi, c'est est-ce que je ferai le jeu à 100%? Non, je le fais pas à 100%, ça prendrait trop de temps. Mais je vous avoue que c'est un jeu que je risque de refaire. Voilà. Même si je finis le jeu, je risque de le refaire parce que ça m'intéresse et de fouiller les reliques pour moi, pour mon plaisir. Je ne vous ferai aucun jeu à 100% en vidéo, tout simplement parce que j'ai trop de choses à faire en vidéo et que donc je vais pas... C'est limite... Ce serait pas perdre du temps, mais... Bon, voilà. Donc non, je ne suis pas du tout là pour vous montrer... Qu'est-ce que c'est que ça? Pas un truc pour s'accrocher... Non... Tiens, d'ailleurs, je suis parti, mais... attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai pas essayé de regarder où les crochets m'amenaient. Ça, les crochets là, ça m'intrigue. J'ai envie de savoir où ça m'amène. J'ai envie de savoir. Apparemment, ça pourrait m'arriver. Je fouille, hein, je regarde vite fait en regardant levant la tête, mais je vois pas pour le moment. Peut-être qu'il faut monter. Et que ce n'est qu'après qu'on le voit. Et ça peut peut-être m'amener au sort de bâtiment qui, lui, me permettrait peut-être d'arriver à... Enfin, je sais pas, moi, une... Peut-être une relique. Il n'y a pas moyen de... Parce que là, je le vois, le crochet. Ah, oui. Apparemment, je ne peux pas... Apparemment, je ne peux pas. Alors, si je peux, j'arrive pas à trouver l'endroit qui me permet de le faire. Je crois surtout que je ne trouvais pas l'endroit. J'arrive pas à le faire. Est-ce que par hasard... Alors, je suis obligé de sauter à chaque fois, ça c'est un peu chiant. Donc si je saute par là, évidemment, je n'y arriverai pas. Non, j'y arrive pas. Bah écoutez, je vais même me soigner. Voilà, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pourtant, je vois bien qu'il y a un crochet. Hein, et j'imagine que ça conduisait là-bas, là, que ça permettait du coup d'arriver sûrement à un artefact. Bah voilà. C'est pour ça que je ne veux pas faire un 100%, parce que là je vois quelque chose, je vous avoue que en vrai si ça me rapportait de l'or, que ça... Ouais, tu vois, si c'était un jeu où l'or était important et tout, que je devrais... Ouais, je le ferais peut-être, c'est vrai. Je perdrais peut-être du temps dessus, on va dire. Mais là, non, non, ça ne me dit rien. Alors là, je vois un truc au-dessus. Une clé, peut-être. J'ai pas l'air de pouvoir m'accrocher, donc je... Le plafond ne m'a pas l'air propice à ça. Donc je ne sais pas trop non plus ce qu'il faut faire là pour le coup. J'ai peut-être besoin de quelque chose pour... à amener quelque chose ici, peut-être. Oh. Ça tombe bien, je commence à me servir de mon fusil à pompe. Ah, regardez, voilà ce qu'on doit amener, j'imagine. Donc ça, c'était des cages où il y avait les lions. Alors, des pumas. Et... Alors peut-être que si je... Oui, des pumas et des gorilles au même endroit qui cohabitent, j'ai un peu de mal aussi. Hein. C'est presque des... C'est sérieux ce que je dis. C'est presque des ennemis obligatoires, quoi.
Pour ceux qui ne le savent pas, les pumas, enfin les gorilles surtout, sont censés être les rois des arbres. Hein. Tu trouveras pas plus puissant dans un arbre qu'un gorille, je pense. Et en fait, les félins avaient en fait cette prétention finalement de... Cette prétention d'aller chercher les primates dans les arbres, donc forcément, nos félins sont nos ennemis en fait. Ça n'empêche pas de préférer les chats aux chiens. C'est ridicule ce que je suis en train de dire, mais voilà, dans l'idée c'est ça. C'est que quand on était dans les arbres, il y avait très très peu de prédateurs qui pouvaient venir nous chercher. Et parmi ces prédateurs qui pouvaient venir nous chercher, il y avait les félins. Voilà. Donc j'ai trouvé la clé du balcon. Très bien. Donc cette clé va me permettre d'ouvrir la porte qu'il y avait au niveau du balcon. J'imagine que c'est ça qu'ils veulent dire par clé du balcon. Musique épique, non combat. Hop, on esquive. On recharge. Voilà. Ouais, ok. C'est quand même plus facile avec le fusil à pompe. Ok, ok, ok. Et merci aussi à toutes les personnes qui m'indiquent dans le 1, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. Bon, c'est... Je pense surtout à Freelancerno qui m'a fait un joli pavé me disant qu'est-ce qui est... Mais si, regarde et tout. Et c'est... Ouais, c'est vrai qu'après, je l'ai constaté quand j'ai refait... Oula. Quand j'ai refait le jeu, je l'ai constaté. Ok, donc là, il y a un petit bug, donc c'est pas grave. C'est parce que j'essaie de sauter à un endroit qu'à mon avis, le jeu, il dit... non, non, c'est pas par là. C'est pas par là. On peut pas aller en haut, hein. C'est sûr. Bon. Apparemment, on peut aller là, à gauche, hein. Il y a un truc, là, hein. C'est juste que j'arrive pas à y aller. Alors peut-être qu'il faut passer par là. Pour aller là. Et en fait passer par là. Mais je vois pas d'éléments du décor qui me permettrait de dire ça. Donc, apparemment. On se fait avoir aussi à ce niveau-là. À moi qui ai un crochet. Non, je ne sais pas. Je sais pas comment on y monte là-bas. Ou alors c'est après peut-être. C'est peut-être après. C'est peut-être après. Ça serait pas la première fois que je me fais avoir en essayant de chercher quelque chose. Et qu'en réalité, bah, la solution se trouvait être plus loin. Donc on va utiliser la clé du balcon. Oh wow. Ça fonctionne. Une échelle. Allez. Voilà. C'est vrai que ça marche. On va beaucoup plus vite quand même. Ah, vous voyez, les crochets vont servir maintenant. Tu vois, j'avais pas besoin de me casser la tête. Oh, il y a un truc là-bas. J'avais pas besoin de me casser la tête pour les crochets, hein. C'est là, c'est là qu'on va s'en servir. Alors, je vais pas descendre pour chercher la trousse de soins. Alors, j'ai pas sauté tout de suite parce que j'avais justement peur de me foirer. Alors, est-ce que je vais en bas? Ou est-ce que je tente directement d'aller en haut? Ça, c'est la petite question. Allez, on tente. Ok, je suis arrivé directement en haut. Bien joué. Pour autant, je suis pas sûr que si là, on saute... Ah oui, d'accord. Oh, c'est quoi ça? Ah. Double pistolet de calibre 50. Wow! Mais c'est une jolie trouvaille, ça. Alors, par contre, je préfère retourner par là, c'est con. Mais au niveau de l'angle de vue, je préfère essayer de me jeter comme ça. Oula, on se calme. Je pense qu'on peut sauter par là. Voilà. Et ensuite vers le haut. Parfait. Du coup, on peut sauter par là. Il n'y a pas de crochet apparent. Enfin, si, là, il y a un crochet, je ne sais pas où. À quoi servirait ce crochet?
Voilà. Je suis monté directement sans chercher à comprendre s'il fallait que je monte. Voilà, mais c'est de toute façon c'était le bon chemin. Voilà. Et voilà, impeccable. Alors est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ces statues? Tu vois, là je regarde. Apparemment non, je peux pas les viser. Alors est-ce que les doubles pistolets de calibre 50 seraient plus puissants? On va remonter, on va remonter. Ce serait plus puissant que le fusil à pompe. Ça c'est une question qui me taraude. Bien joué, Zedalucard. Et bah vous savez quoi, je vais m'en servir. Voilà, ils sont ici. Ils sont beaux, ils sont tout beaux. Et 20 minutes de vidéo, et bah écoutez, c'est parfait, il y a un checkpoint. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous remercie de me suivre, je vous remercie à tous de regarder mes vidéos, je vous conseille de rester pour... si vous aimez bien Tomb Raider, restez sur cette chaîne parce que vous allez avoir tous les Tomb Raider qui vont arriver. Donc franchement, si ça vous intéresse, voilà quoi. C'est vaut mieux que vous restiez dessus quoi. Le mec il essaie de trop vendre sa chaîne. Oh, s'il vous plaît, restez sur ma chaîne, je vais te faire tout ce que vous voulez. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas que Shido sont faits pour s'amuser, et je vous dis à plus.